Les façons de soulever le bébé, il y en a une qu'il faut vraiment éviter, c'est celle qui correspond à attraper le bébé sous les bras et puis le lever comme ça. L'idéal, c'est une main qui soutient la tête et le cou, et puis une main au niveau des fesses. Si c'est sous les bras, c'est vraiment en dessous les bras, à ce moment-là, hop, vous la passez toc, sur le ventre. Et ça pose pas de soucis non plus parce que bah, quelque part on retrouve la position qu'elle avait dans le ventre de maman. Donc ça c'est simple. Ce qui est bien aussi dans cette position posture, c'est que quand on va la reposer, elle voit aussi où est-ce qu'elle atterrit. Donc c'est rassurant aussi. L'idée c'est effectivement d'être plutôt enfante. Et puis toujours une main qui soutient au niveau de la tête et du cou, et une main au niveau des fesses. Et pour la soulever, de le faire progressivement comme ça, en se relevant, mais sans se. Enfin, en étant de biais finalement. Et non pas face au lit, où là pour le coup, en se baissant, pour le dos, ça sera une mauvaise chose. Pour éviter que la maman attrape sous les bras, parce que ça, c'est pas une bonne chose. L'idée, c'est de poser la main et de la mettre sous les fesses, comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez la soulever facilement. Comme ça. Et je la soutiens sous le bras. Et là, vous avez la main bien à plat. Ce qui est important, c'est qu'elle ait toujours un contre-appui au niveau des fesses. C'est pour ça aussi que pour les portes-bébés, il vaut mieux des portes-bébés qui englobent bien les fesses plutôt que juste un petit tissu, une petite bande de tissu trop fin.